Ok, salut tout le monde, c'est Pino du Milan. Aujourd'hui on se retrouve pour un live un peu spécial, puisqu'il s'agit du cast du match Languedoc-Roussillon versus Rhône-Alpes dans le cadre du TRF 2018, donc tournoi des régions de France 2018. Chaque région a une équipe, et il s'agit bien d'être la meilleure tout simplement. Je vais caster le match aujourd'hui pour le Rhône-Alpes. J'espère que le son est pas dégueu parce que j'ai pas mon ordi de stream, mon bon ordi de stream, je suis avec l'ordi portable et un setup dégueulasse. C'est à dire que je viens tout juste d'arriver chez moi, donc c'est dégueu, je suis pas installé et tout, bref. Il doit y avoir masse résonance, donc j'espère pour vous que ça va aller. Salut à Ben Sword qui est dans le chat. Putain, ça fait longtemps Ben, c'est incroyable. C'est grave cool de te voir là. Là on est en full speed, c'est un petit 1v1 des familles, et il me semble, alors je suis pas sûr, mais il me semble que la Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes a mis 1-0, mais attendez, je suis pas sûr, je vais aller vérifier sur le... je sais pas, on en est où, SVP, je vais aller vérifier sur le chat, du coup je viens d'arriver, c'est un peu, c'est limite. Alors je suis en train de demander, on est en train de m'écrire le résultat. En attendant, on a donc Navi ici pour la région Languedoc-Roussillon contre Tristan pour le Rhône-Alpes. Et on voit eh bien qu'il y a Kid aussi qui joue. C'est assez bizarre qu'il y ait deux joueurs pour la région Rhône-Alpes. Ah mais Kid il a pas le tag Rhône-Alpes. Ah donc c'est un match en plusieurs vies. Il reste donc une seule vie à Tristan et une à Navi. D'accord. Donc, logiquement, celui qui perd là perd le FS. Alors, je suis pas certain. Alors, je comprends pas pourquoi il y a Kid, mais c'est pas grave. On va aller vite fait en vocal avec les autres, on va se mute. Voilà, normalement ils ne m'entendent pas, c'est parfait. Donc là vous les entendrez. Et Oui bonjour, c'est Pinou et je me mute pour pas déranger. Ah mais Adèle ? Sans souci, Adèle ? Ah bah j'ai BM. Il peut finir en backward. Oh, c'est bien joué. Oh, le bad manner. Eh, mais il va trop vite pour faire le backward. Donc, GG. Du coup, là, il y a combien pour nous? Parce que j'arrive en cours. J'en sais rien, je sais même pas comment ça fonctionne cette sortie. Il y a 6 contre 4 là. Ça fait 6 contre 4, non? Ouais, 4-6. Oui. Pour nous? Oui, pour nous. Apparemment, ça, ouais. Je crois que c'est cool. Ouais. Quoi qu'on joue après, Tech ou Dirt? 4-6 pour la région Ronald, vous l'avez entendu. Ah, it's time! Donc après on va aller en dirt. Et puis on ira en tech. Clem, oh putain. C'était assez violent là pour Clem. On a perdu un joueur. Putain. Bien dommage. Elle est où maman? Bien dommage, il va falloir appeler Cocho en détresse. Il était warm-up genre 15. Tom Wichet. C'est vrai que Tom Richer il a bien traîné quand même. Donc on enchaîne maintenant à... On est où du coup? On est rouge. On est rouge. Oui, rouge. On est rouge. En théorie on enchaîne avec la dirt, mais visiblement... Enfin le dirt. Il y a un warm-up. Deux. Deux. Zéro. Oula. D'accord. Zéro. En fait c'est une pastis cup. Qu'est-ce que c'est que ça? Me dites pas que c'est son klaxon. Donc ici on a trois personnes pour la Languedoc-Roussillon. Nous avons Jean-Michel Larcher, Cookie, oh putain, mon écran, m'en fenêtré. Super. Et Bob Lanouille qui vont jouer eh bien le dirt pour la Languedoc-Roussillon. Et pour la région Rhône-Alpes, nous avons Space, Mad et Clem qui vont
eh bien, nous représenter. Donc je rappelle que je suis de la région Rhône-Alpes, moi aussi. Il n'y a pas de S mais Osef. C'est ma map. Exact, c'est une map de Ben Épée. Fityoshi, TRF Colorado Fityoshi, Fox Bensword, Braise. Bravo, la Bretagne, je sais pas si c'est Braise ou Bretagne, mais ça revient au même de toute façon, puisque Braise c'est compris comme la Bretagne. Donc voilà, c'est parti, on va jouer sur la map de Ben Épée. Et donc là pour l'instant, il y a deux warm-up, hein, rassurez-vous. Deux warm-up. Deux vues. Le match live. C'est du ralenti. C'est pas faux. Oh, critique pas ta bricher comme ça. 42. Allez, on passe sur le deuxième warm-up. On va regarder un petit peu Clem de la team Rhône-Alpes. Donc pour l'instant, avantage au Rhône-Alpes hein, avec le FS. A voir maintenant, attention, voilà. T'as qu'à pas passer la guerre. Clem qui a légèrement merdé. Non mais j'ai pas passé juste avant là. Ah bon ouais. Bah moi c'est ce qui se passe quand je la passe pas du coup. Quand je la passe, pardon. Et Bensword qui explique que ça m'a peinaze. Mais elle a été quand même sectionnée. T'en es lent là non? 3, what the fuck. Allez, j'ai la chef. T'es en 7 points les matchs là? 8. 8, ah, 8 points? 8 points? Ouais, 8. Avec offert 3 points. 3 points, c'est. C'est quoi le mec? Allez, 8 points. Même 3 rounds, c'est bon. Hein. Et si on met en finale, c'est en 10 points. Oh putain, chaud. Allez, donc gars. Là, 8 points à gagner pour la team Ronald. C'est-à-dire que voilà, la team doit tout simplement. Pardon, hop. Tout simplement aller chercher nous, c'est 8 points. On a déjà quelqu'un qui a crash effectivement du côté de Languedoc-Roussillon. Donc on a les 3 Rhône-Alpes qui sont pour l'instant plutôt côte à côte. Alors je sais pas où je peux cliquer sur ce serveur, c'est chiant pour spec. Genre là je peux pas, non. Pour spec c'est chiant. Alors, on va pas se mentir, c'est pas grave, je vais aller sur Mad. Pour l'instant les 3 joueurs Rhône-Alpes qui sont visiblement en avance. Avec le skin Rhône-Alpes hein, qu'on voit ici, Mad l'ami. Fait par Glass, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Attention, c'était chaud ici pour Mad. Pour l'instant, ils sont assez, assez tranquilles. Quoique, attention à Cookie qui revient pour la région Languedoc-Roussillon. Attention, le joueur de chez Speed qui eh bien, dépasse Mad. Pour l'instant, ça devrait être un 2-1 pour voilà, deux personnes qui mettent des ouais. Points. Puis et donc, ça sort oh là là là. Voilà, oh là là, le point oh là là pour là la région Rhône-Alpes. Il fait son PB. Tandis que Ben dit 8-0 easy. Comme effectivement pas mal de gens dans la team. A priori c'est un 8-0 assez tranquille sur la dirt. Allez c'est reparti, on se va toujours spec Mad. Mad qui part en tête ici, mais attention voilà il a touché le mur. Ça donne donc un désavantage pour la team Rhône-Alpes en sachant que Bob Lanouille est en retard aussi pour le Languedoc-Roussillon. Pour l'instant, on a donc deux Rhône-Alpes qui sont devant. Il s'agit de Clem et Space qui sont tout coude à coude avec Jean-Michel Larcher et Cookie. Cookie qui a fait une petite erreur. Attention ici, pas de risque de wallet. Hein, on va save pour Clem et Space qui pour l'instant prennent le. Non, c'est pas sûr qu'ils prennent le point puisque derrière on a deux autres joueurs de Languedoc-Roussillon. Va falloir y aller là, clairement. Il faut pas que Space se loupe s'ils veulent le point. Peut-être que Bob Lanouille peut se faire rattraper par Mad. Non, non, non. Allez, ils disent de safe. On va voir ce qu'ils font. Clem qui risque. Space qui risque. Et eh bien, le point va être limite. Ok, ah, ça devrait être bon. Ça reste sur nous. Non, c'est bon, il est deuxième. Ouais, bien sûr. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, c'est un point pour la région. Rhône-Alpes et on enchaîne. C'est reparti, donc on va rester sur Space cette fois-ci.
Pour l'instant, les trois joueurs Rhône-Alpes qui sont en tête, hein, en sachant que Space est au coude à coude, voilà, avec Jean-Michel Larcher et Cookie, comme vous le voyez. Et il reprend un peu d'avance. Il risque le wall-y tous les trois et ça passe, même si Space a perdu de la vitesse. Cookie qui revient prendre sa troisième place. Attention, ce n'est pas fini. C'est serré entre les deux joueurs. Pour l'instant, la Clem et Mad sont tranquilles devant. Safe. Cookie, voilà, qui a doublé Space puisque Space a touché le mur. Donc pour l'instant, on a deux joueurs Rhône-Alpin, puis un joueur Languedocien, je crois que ça se dit comme ça. Ça devrait être un point Rhône-Alpes si Space ne se loupe pas. Et en plus, Cookie a loupé. C'est un ace pour la région Rhône-Alpes. C'est full safe le finish en plus. What the fuck. 3-0 pour l'instant pour la région Rhône-Alpes sur cette map Dirt. Donc le Dirt, je rappelle, c'est du 3v3. Et Space qui a déjà touché le mur du start. Voilà ce que c'est de se déconcentrer. Mad qui a touché aussi visiblement. Et donc on se retrouve avec Clem qui est tout seul devant les 3 joueurs du Languedoc. Donc il va falloir faire attention à ne pas faire d'erreur du côté de Clem. Les trois joueurs languedociens qui sont juste derrière, vous le voyez ici. Même si Bob Lanouille a fait une petite erreur. Alors, je passe la guerre. Excusez-moi, je tousse un peu. Et Cookie qui risque tout simplement de doubler Clem si Clem safe encore. Ça va être chaud, là il va falloir faire attention à ça. On voit Mad hein, qui revient en bas à droite. Il est à la limite de Bob Lanouille. On va peut-être arriver à faire Rhône-Alpes. Deux Languedoc Rhône-Alpes. Oh, attention, ça va être serré. Ça va être serré. Aïe, dommage. Ça attends, devrait être un point. Oh, peut-être que c'est un point. Non, c'est un point Rhône-Alpes. Putain, what the fuck. Le joueur Jean-Michel Larcher qui a le choc la fin. On t'augmente à chaque run. Et donc, ça fait un 4-0 pour la région Rhône-Alpes. Je vais ne pas les écouter. Ça fait un peu de calme. Il y a déjà la musique et le son du jeu. C'est déjà pas mal. Donc c'est reparti, on va se remettre sur quelqu'un de la région Rhône-Alpes et c'est Mad, en sachant que voilà, le mode spec bug un peu, vous l'avez vu, Clem a disparu. Donc pour l'instant c'est très serré, rien n'est joué pour le moment. Est-ce qu'il manquerait pas un joueur là chez... Ah non, 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 j'ai rien dit. Oh là là, Bob qui prend très large le virage, et oui c'est, ça paye pas. Ce n'est pas la bonne trajectoire et donc on se retrouve avec 3 Rhône-Alpes devant, suivi de Cookie et de Jean-Michel Larcher. Il va falloir attaquer pour le Languedoc Roussillon s'ils veulent revenir sur la Dirt, le Dirt pardon, en sachant que Cookie ici a touché. Ça va être un point difficile à capter hein, puisque Mad c'est Jean-Michel Larcher, excusez-moi. Oh attention, Mad qui a ici bugué. Oh peut-être que c'est un point pour la région Languedoc Roussillon. Alors attendez, 5-3-2, ça nous fait 10-6-4. S'il finit, on a le point, c'est bon. Donc point à la région Rhône-Alpes. C'était pas long quand même, je crois qu'ils se sont fait peur sur ce petit point-là. Après voilà, il y a 5-0, on est plutôt tranquille. Il n'y a pas à s'exciter. Et on enchaîne. Je vais me mettre de nouveau sur Clem. On se retrouve pour l'instant avec les 3 Rhône-Alpes devant, même si rien n'est joué visiblement. Puisque voilà, les 3 Languedociens sont ici. Il manque quelqu'un là. Il manque Clem. Où est Clem? Clem, il est en avance, mais pourquoi on le voit pas? Ah, c'est bon, on le voit. C'est bizarre ce petit bug. Et merci à Commander Root pour le follow. C'est très sympa de ta part. Attention, Cookie qui est bien. A touché le bord. Ça semble mal parti encore une fois pour la région Languedoc, mais rien n'est joué, vous le voyez, à part Clem. Ça va être chaud pour Space et Mad de se prendre les points. C'est bon. C'est bon. 6, 5 et 3 points. La première, la deuxième et la quatrième place pour la région Rhône-Alpes. C'est encore un point supplémentaire que nous engrangeons. Ce qui nous mène à 6-0. Plus que 2 points à prendre pour la région Rhône-Alpes pour être gagnante en Dirt. On va se mettre cette fois-ci sur Mad. Avec son beau skin de la région Rhône-Alpes. Allez, on voit tout de suite un Clem qui se détache comme à chaque fois dès le start.
Il est assez régulier sur cette map visiblement. Mad qui suit, bah, pas loin. Attention, le wall est loupé pour Mad ici. En sachant que voilà, les deux langues de sien, je savais qu'ils étaient pas loin. Donc ça va être compliqué pour Mad de revenir. Attention, on va suivre cette bataille de près. Puisque pour l'instant, devant, il y a deux Rhônalpins. La question, ça va être, est-ce que Mad va pouvoir doubler les deux langues de sien ou non. Puisque le troisième, qui est Cookie, n'est plus dans la course. Il est derrière, visiblement. Ça va être risqué, ça va pas passer pour Mad. Oh, ah, il m'a semblé que ça passerait, mais non. Et donc, c'est... un point supplémentaire pour la région Rhône-Alpes. Plus qu'un dernier point à prendre. Et ce sera bon. Et on voit en haut que tous les checkpoints, il s'agit de la région Rhône-Alpes qui les a. Hein. Mad a fait les 4 checkpoints du start. Et Clem a fait les 6 derniers checkpoints. Donc c'est les meilleurs temps, le meilleur passage on va dire à tel checkpoint. Donc voilà, la région Rhône-Alpes qui semble plus régulière sur cette carte que la langue de Croussillon. Et vous le voyez ici, puisque eh bien, les deux joueurs sont en tête. Déjà, ils ont point 1, point 2 même, quasiment, d'avance sur les langues de sien. Cookie qui, en plus, est déjà un peu à la ramasse. On va remonter sur Bob Lanouille qui, a priori, voilà, il est dans le groupe de combat de tête. Attention, il a pris plus court. Voilà, c'est bien. C'est une bonne trajectoire ici pour Bob Lanouille qui eh bien, revient tout simplement sur Space devant. Ah dommage, il a pris un peu large ici, il s'est tapé le bord. On va se mettre sur Jean-Michel Larcher, ça devrait être un point Rhône-Alpin. Si tout se passe bien. Hop. Ah si, c'est bon, c'est un point Rhône-Alpin. GG à la région Rhône-Alpes, on va retourner sur Discord, puisque normalement, ça passe au test. Bon, ça fait 4, il y a pas voilà. Round où j'ai pas touché. Putain. C'est 14-4. GG à tous. Ça veut dire qu'on peut full troll le tech. Mettez des points parce que pour le classement ça compte. Bah 8, 12, ouais, c'est 14-4 bon. Donc pour la région Rhône-Alpes. Bah ouais, toi aussi Tom. 0 petit point malheureusement pour la région langue de conscience sur cette carte. On va regarder sur quoi on passe. Quelle est la suite s'il vous plaît? J'aime bien cette map. Normal, elle est super. Là, normalement, on enchaîne avec le tech. Hein. C'était un très bon choix des ennemis. On va voir ça. Ouais, dommage. TRF Céleste, mappé par Thomas. Comme j'avais jamais fait la map. Céleste. Une map beaucoup trop simple. Y'a du gros joueur en face en tech ou pas? Non. Non. Ah, y'a quand même Jean-Michel Larcher, attention. Y'a du navire. De la région Ronald qui troll légèrement. Peut-être qu'ils savent pas que c'est en live. Ouais. Bon, après, y'a rien de méchant. J'espère que la région langue de pression va bien le prendre. Si, c'est Dodoïs, mais. Okay. Enfin, il est pas dégueu, mais c'est pas fide quoi. Il est joli le skin métallique en tout cas ici. On a fait par Getax. Ou Getax, je sais pas comment. Non, moi j'ai fair play, moi j'ai ma place. J'aime beaucoup. Pas envie de blesser Navi. What the fuck? On va regarder la liste des joueurs, donc encore une fois de warm-up, puis les runs. On va donc regarder, voilà, vous découvrez la map sur cette run. On va regarder ensuite les listes des joueurs qui vont se battre. Non pas tels des gladiateurs, mais presque à bord de leur voiture Trackmania pour le tech. Et donc la région Rhône-Alpes qui a gagné, puisqu'il y a 14-4 avec le 3-0 environnement. Donc même s'ils se prennent un 7-0, là la région Languedoc ne pourra pas revenir. Donc c'est une victoire pour la région Rhône-Alpes pour ce premier match du TRF 2018. Alors attendez, je vais attendre que ça revienne. Coup dur hein, pour ma gorge qui ne fait que tousser. Voilà, nous avons le line-up, il s'agit de 5v5. Alors en Rhône-Alpes, nous avons Feed, Glast, Timosser, Mania, Kelis, Ben et Zarox, que vous connaissez sûrement, puisque ce sont des joueurs plutôt réputés, on va dire. Et pour la région Languedoc-Roussillon, nous avons Dodo Ace, Navi, Brunis, Rin et Bob Lanouille qui vont jouer. Quelques joueurs connus aussi pour
la team Languedoc-Roussillon, notamment Navi. Donc ça s'annonce voilà, comme un match déjà plié malheureusement, mais qui pour autant devrait quand même se dérouler avec, avec intéressement, si j'ose dire, avec intérêt plutôt, puisque la team Languedoc-Roussillon doit aller chercher des points pour le classement, et que la team Rhône-Alpes peut tout à fait en demander toujours plus pour le classement aussi général. Allez, voilà, on va se mettre bien sur Maniac Kélis pour le départ du tech. On va écouter un peu. Paca. Là, ah ouais, le Discord de la région. J'avais pas vu, putain. Ah, mais c'est live. Putain. Allez, les gars. 7 ou 8 points ici. Vous avez David en face, ah, ça va. Le jeu qui a crash. Ah, c'est à 21h en fait. Azarox qui a crash. Jeu qui est crash, mais visiblement ça dérange personne. On a plus Arox là quand même, les gars. Bon, en tout cas c'est parti et on a les 4 joueurs de la région pardon, Rhône-Alpes qui sont ici. Donc voilà, on n'est pas avec notre capitaine, mais on arrive quand même à jouer et pour le moment c'est pas mal. J'ai eu peur pour le drift ici de Maniac et j'ai cru qu'il allait nous drift, mais visiblement c'est passé. Les 4 joueurs hein, ici, vous le voyez en bas à droite, en tête, en sachant que Glass est en train de se battre avec Navi de la région Languedoc-Roussillon. Et Navi qui va éviter le Ace, le presque Ace, puisque Zarox n'est pas là. GG, nice les boys. GG, c'est un point parti gratuitement, on va dire, pour la région. On a puisque avec un joueur en moins, ils ont quand même réussi à prendre un presque Ace. Il y a un problème sur les points. Je pense pas que ça change grand chose. Non, ça change rien. Bon, l'affichage est peut-être niqué, mais à mon avis, les points sont bons. Allez, c'est reparti, on va rester cette fois-ci sur Glass. Non. Oh, c'est dommage parce que Brownies était vraiment bien parti là. Et ça troll un peu hein, dans la région Rhône-Alpes. Me disant, Smash, s'il te plaît, j'ai rien dit. Putain, mais oh, Glast il a des viewers, on avait. Nous on trollait, mais. Pourquoi avait combien là? Il y avait là, il y a 50 viewers quand même, oh. Et Kid, wow. tu sais aussi? Ouais, je suis à 40. Bon, oh, Insane, il y a 100, wow. 100 viewers devant les Rhône-Alpes, c'est Insane. Ah, oh, là, il y a du monde, il y a du monde! Total. La feuille moussitude. Ah, feuille moussitude est present ce soir, Thierry? Hop là! Et c'est un point supplémentaire pour la région Rhône-Alpes normalement. Il y avait Pilou qui streamait aussi avec un viewer. Donc ça fait 100. Yes! Vraiment super! Vraiment le cast il est génial. Hein. Je cast pour une seule personne, il s'agit de Ben Sword, super. Je suis vraiment content. Allez, c'est pas grave, puisqu'il y aura la rediffusion. Ah, du coup, on restart. Go. Alors, on sait pas si c'est go ou pas, parce que du coup, je comptais les points, mais ça n'a pas compté, puisque les points étaient mal mis par le gérant du serveur. A priori, c'est bon. Super content d'être le 101. Merci Ben de ton soutien. On peut observer quelques différences de trajet entre les Rhône-Alpiens et les autres. Bon, quelques différences, hein, voilà. Oh, c'était serré ici pour Fid, hein, vous l'avez vu. En tout cas, voilà, à part Navi, personne n'a l'air de rivaliser dans l'équipe Languedoc. Malheureusement, je vais le mettre sur vous. Ouais, il s'en sort bien. Il est bon en tout. Le temps, il s'en sort, il est bien le petit. C'est pire que de dire, ouais, non, c'est pas bon. Ah, il s'en sort. Oh là, oh, je croyais que ça allait pas passer pour Navi. Et la région Rhône-Alpes devrait confirmer les points là. Ah non, c'est bon. Il y a que les 3 premiers qui prennent. Je vais envoyer un petit message juste avec quelqu'un. Mais Osef, les points. Ah, mais attends, d'accord. Il y a 3 de chaque côté qui finissent. Feuille du 3v3 au pire.
Au pire, Dodoaz versus Fid. Pourquoi Navi part pas? Ah bah parce qu'il n'y a pas les bonbons. Les bons points. Ah, ce n'est toujours pas les bons points. Et on est reparti. On va attendre un peu. Il y a déjà 3-0 hein. Putain, mais c'est même pas confus de base, c'est un genre. Bébé. J'ai regardé le stream de Glast, il est mute et tout, il est en full tryhard alors que nous on troll. Moi je troll pas, mec. Je suis juste mauvais. Hein. Hop là, et normalement c'est reparti. Allez, c'est bon, les points sont bons. Là. Nice. Allez, les gars, focus. Allez, maintenant, on se concentre un peu. Oh, le live qui a drop. Non, c'est bon, le retour du live, j'ai rien dit. Parfait. Donc voilà, c'est reparti pour le match. Donc toujours 0 points en tech. What? Pourquoi il y a 1-0? Bon, c'est, j'ai pas suivi, si ça se trouve, c'est normal. Moi je mets mon duel Ronald quand même. Donc pour l'instant, crois, ouais. Pour l'instant, les Ronalpins qui ont craché et ce serait un point Languedoc-Roussillon. Si on continue comme ça, il va falloir remonter un peu les Ronalpins là. On va se mettre sur Maniacalis qui est dans le tas. Allez, il est en train de se battre avec Rin et pour l'instant. Oh, c'était large! Mais Rin a tapé le mur! Allez, on va battre Bruni normalement pour Maniacalis. Oui, c'est nice. Bon! C'est un point Ronalpin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il manque le dernier. En tout cas, bienvenue à l'autre spec que j'ai gagné. C'est vraiment naze, il y a zéro. Enfin, il y a deux personnes, excusez-moi. Merci aux deux personnes d'être là qui regardent. Mais je vous avoue que je fais plutôt ça pour la rediffusion, en espérant que le son soit bon pour pouvoir aller passer sur YouTube. Si c'est inaudible, je laisserai tomber. Surtout si je tousse trop. On est reparti, Maniacalis qui ici a touché. Bon, pour l'instant, c'est quand même... Ah non, 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 non. Ce n'est plus un point Ronald. Pour le moment, c'est un point Languedoc. Maniacalis qui a vraiment trop touché. On va se mettre ici sur les trois Ronalpins qui sont devant. Fid, Glast et Ben, qui sont au coude à coude. Enfin, Fid a un peu d'avance, mais voilà. On a deux Languedociens qui suivent derrière, hein. Faut pas trop déconner, ils sont à point 4. Ça devrait être un point pour la région Rhône-Alpes. Merci à El Socrato du follow, donc le deuxième viewer El Socrato. Merci à toi et bienvenue sur la chaîne. Donc voilà, c'est un point Rhône-Alpin ici, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et Ben Sort qui engage la discussion avec l'autre viewer sur le chat, c'est beau. C'est très beau, même si Socrato ne répond pas. Tu vois ? Coup dur pour Ben Sort qui se prend avant en direct dans le chat. Pendant que le match continue. Et on est donc à 3-0 pour la région Rhône-Alpes. Et Bob Lanouille qui a left le serveur. Donc il joue avec un joueur en moins. Ça fait comme nous tout à l'heure avec Xarox. C'est assez, assez étonnant. Mais du coup ça devient un match qui se joue en 4v4. Ouais, attention, c'était très large ici pour Rin. Voilà, vous l'avez vu, il a même pas pu prendre le virage. Ça va être serré ici pour la région. Les régions, pardon, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, et c'est Rhône-Alpes qui, encore une fois, empoche le point. On entend, hein, ça parle plus, hein, ça se concentre doucement. 4-0 ici pour la région Rhône-Alpes. Allez, on espère pour les Languedociens qu'ils vont quand même mettre un ou deux points, parce que bon, ça serait pas, ça serait dommage. Et on repart. On va se mettre cette fois-ci sur Glast. La team au serve. Pour suivre ce run. Et donc pour l'instant voilà les 4 Ronalpins qui sont devant. On est toujours en 4v4.
Navi qui gère plutôt bien sa performance. Puisqu'il est dans le tas, il est en train de remonter tout doucement sur les Rhône-Alpins. Vous voyez ici qu'il a doublé l'un d'entre eux. Dodo Ace aussi qui revient, attention à lui. Voilà, Navi pardon, qui attaque. On le voit, il a pas le choix en même temps. Oh, attention, c'était large, mais ça passe. Pour le moment, c'est toujours les trois Rhône-Alpins qui sont devant, mais ça va être compliqué. Navi qui prend large parce qu'il cherche la vitesse. Mais malheureusement... Oh, attention, à Glast, je crois. Non, c'est... qui est-ce? Il y a un Rhône-Alpin qui a touché. Ça risque d'être un point lock d'Ossian. Il est tout seul, Navi, en fait. Non, en face, genre, c'est bon. C'est Ben qui a touché. Qui est pas spécialisé en tech et c'est et un devant point les autres, pour le Rhône-Alpes. Tu vas casser le match où je joue. Salut Kaku, ça dépend. Il s'agit de quel match? Ouais. Normalement, je casse que pour la région Rhône-Alpes. Il y a 7-0 du coup. Toi, tu joues l'Île-de-France, Kaku? 6 du coup. Je pense que oui, logiquement. Okay. Du coup, non. Enfin, moi, je joue. Voilà, je casse la région Rhône-Alpes. Île-de-France versus Nord-Pas-de-Calais. Non, je ne casterai pas ça malheureusement, sauf si on me le demande. Mais pour l'instant, voilà, je ne casse que Rhône-Alpes, qui est ma région. Avec les petits émotes. Allez, on est toujours ici. Et cette fois-ci, eh bien, c'est Navi qui... Oh, attention! Voilà, Navi qui a décollé. Et les Rhône-Alpins qui peuvent bien partir tout seul en tête, en théorie. Attention quand même. Voilà, Maniakelis qui a pris un mur. Et ça pourrait être un point langue de sien ici. Allez, peut-être qu'ils vont aller prendre un point, les joueurs bleus. Ça leur ferait pas de mal, hein, les pauvres. Dodo Ice qui va peut-être même dépasser Ben. C'est possible, attention. Oh! Oh, ils sont tous loupés! Incroyable! On en est où? On en est où? Et c'est un point Rhône-Alpin, comme vous le voyez ici, sauf si le langue de Sian. Non, voilà, Glast est venu chercher les deux points finaux. Regarde Discord, Pinou, je prends des vents à cause de toi. Dis-moi, Ben. Allez, dernier, les gars. Ah, un coup dur pour El Socrato, puisqu'on est en 10 minutes follower mode. My bad, je sais pas comment on enlève ça, attendez, je vais essayer de l'enlever. Hop là, voilà. Et c'est pour ça que El Socrato ne pouvait pas parler dans le chat pour dire bonjour à Ben. C'est donc de ma faute si j'ai pris un vent. Coup dur pour moi, qui ne sais pas utiliser un chat. Allô? C'est bon Ben, ne t'inquiète pas. Et donc on en est toujours à 6-0 ici pour la région régionale, plus que 2 points à aller chercher. C'est serré hein, quand même, vous voyez que Fid et Maniakalis sont régulièrement en tête pour notre région, mais que derrière Dodo Ace, Navi notamment, mais aussi Rin et Brunis arrivent quand même à suivre. Alors c'est pas régul, ce qui fait que pour l'instant ils ont encore 0 points en tech, mais voilà, ils sont quand même présents, hein. On les voit à quelques dixièmes de la région Rhône-Alpes, et notamment de Fid et de Maniakalis. Voilà, Glast et Ben qui sont un petit peu en retrait, ça dépend des moments. Donc c'est quand même pas non plus la raclée. GG à tous. Donc GG à la région Rhône-Alpes, qui se prend donc je crois 21 points. Enfin je ouais, sais pas bah, si c'est comme gars. Ça. Ouais. Mais je crois et du coup qu'il y a 4 points pour la région Languedoc et 21 pour la région Rhône-Alpes. Hop. 4-22. 4-22 pardon. Et la région Rhône-Alpes qui gagne donc son premier match. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit cast. On va s'arrêter là parce que voilà, il faut quand même aller manger. Hein. Est-ce que on pourra mettre fait le petit skin, le joli petit skin là? Non, on ne peut pas. Bon, bah, c'est pas grave. Je voulais mettre un peu le skin Rhône-Alpes, mais c'est pas grave. Voilà, on va aller manger. Merci à tous d'avoir suivi ce petit stream. Je suis désolé d'être arrivé en retard. J'espère que ça n'arrivera plus les dimanches prochains. En théorie, non. Et voilà. Bravo à la région Languedoc-Roussillon quand même, hein, qui a bien joué. Malgré voilà, que la région Rhône-Alpes était un petit peu supérieure sur toutes les maps. Ils ont quand même pris 4 points dans le full speed. Et heureusement pour eux. Et bien, je vous dis à dimanche prochain. Probablement 20h-20h30 pour le prochain match du TRF 2018 de la région Rhône-Alpes. Allez, ciao ciao!